Bonjour à tous et bienvenue sur Summoners War News, l'émission d'actu sur Summoners War. Alors, quoi pour programme cette semaine? On va parler en premier du coup de la Coupe Amérique des SWC 2020 qui a eu lieu ce week-end. Les rediffusions sont disponibles sur la chaîne Summoners War eSport, les liens sont en description de la vidéo. Et donc c'était la fin de la phase régionale Coupe Amérique, mais il en reste encore d'autres. Il y a donc maintenant la Coupe Asie-Pacifique qui sera ce week-end à 4h du matin ce dimanche. C'est très tôt, mais bon, c'est normal, c'est un autre créneau horaire. Et ensuite, il y aura la Coupe Europe qui sera elle le 7 novembre. Par contre, du coup, pour l'Europe, ce sera à 14h. Donc, tous les liens sont fournis en description de la vidéo. Et on peut déjà finir ce sujet des SWC dès maintenant. Et maintenant, on va pouvoir parler des sujets qui concernent un peu plus le commun mortel des joueurs. Et bien, dans le jeu actuellement, il y a un nouvel événement. Vous pouvez du coup jouer à cet événement au thème centré autour d'Halloween pour récupérer vos récompenses tous les jours. Foncez, c'est facile à faire. Comme d'hab, ça fait plaisir. Et pour finir, il y a donc, c'est la fin octobre, là, 27 octobre, il reste plus que quelques jours pour profiter du coup de la collaboration avec Capcom. Si vous utilisez vos vélins mystiques dès maintenant, vous pouvez peut-être récupérer des monstres Street Fighter. Bien sûr, si vous avez les vélins Street Fighter qui sont au chaud dans votre stade d'invocation, ils ne vont pas disparaître, vous pourrez les invoquer plus tard pour récupérer vos monstres Street Fighter. Mais bon, si vous voulez dépenser vos vélins mystiques, c'est maintenant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur Summoners War News. Comme d'habitude, restez connectés et restez dans le coin pour savoir être au courant des dernières actus. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Salut !